toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et il leur dit « Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui aura foi et sera baptisé sera sauvé, celui qui n'aura pas la foi sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux, il œuvrait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un tout petit préambule rapidement. Simplement, si vous m'entendez tousser, c'est pas que je suis malade, mais essayez de chanter, de parler de 7h30 à 12h30 quasiment en une matinée. Vous allez voir, la voix, elle va fatiguer. Hein. Bon. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que quelquefois, vous verrez peut-être éventuellement faire une petite grimace. Ça n'est pas non plus que je suis malade, mais je me suis cassé une dent qui me cisaille la langue en permanence. Donc, quelquefois, il faut que... Voilà, c'est tout. Mais c'est pas plus grave que ça. Voilà, ça, c'est une première chose. Le plus important, c'est évidemment l'ascension du Seigneur que nous célébrons. Alors, je vais en profiter avec vous pour essayer de nous représenter un peu les affaires. Parce que j'ai un peu peur dans les représentations qui sont les nôtres, on perçoive l'ascension un tout petit peu à la manière d'Hollywood ou de Walt Disney. Vous voyez, une espèce de Christ qui va s'envoler comme ça dans les airs, avec du vent évidemment, parce qu'il faut des ventilateurs toujours. Aujourd'hui, alors sans doute, si vous voulez, que ce genre de représentation pouvait fonctionner, disons, jusqu'à la fin du 19e siècle. Je ne dis pas le contraire. Aujourd'hui, c'est quand même plus difficile à envisager. Et le paradoxe, vous voyez, c'est que pour avoir quelque chose qui puisse nous sembler beaucoup plus réel, eh bien, il faut que nous revenions tout simplement à la Bible. La Bible ne parle pas d'envolée lyrique ou je ne sais pas quoi. La Bible, vous voyez, nous offre ce qu'on appelle des figures. Et ces figures jouent à plein dans l'Évangile, de sorte que les évangélistes n'ont pas besoin de toujours expliquer. C'est à nous d'aller chercher dans l'Ancien Testament ce à quoi ils font allusion. Et c'est un peu l'exercice qu'on va faire ce matin, si vous voulez bien. Alors, la première chose, c'est, rappelons-nous, l'Église vit ses 40 jours après Pâques en réponse aux 40 jours du carême. Et au milieu, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe dans la littérature biblique, le plus important, c'est pas ce qu'il y a avant, c'est pas ce qu'il y a après. La Bible ne fonctionne pas avec une introduction, une thèse, une antithèse et une synthèse et une conclusion. C'est pas comme ça que ça marche. La Bible fonctionne par évocation. Et ce qui fait que ce qui est avant répond à ce qui est après, mais il faut un milieu. Je m'explique.
il faut 40 jours pour se préparer à vivre le mystère de Pâques. Et le mystère de Pâques, c'est ce qui est essentiel. J'ai envie de dire, si vous voulez vous éviter beaucoup, beaucoup de tortures intellectuelles pour savoir ce que vous allez raconter à vos enfants au niveau de votre foi, il y a une seule chose, en gros, à dire, c'est Christ est ressuscité. Point final. C'est tout. Voilà. À partir de là, tout le reste suit. Mais Christ est ressuscité est essentiel à affirmer dans un tout premier temps. Sinon, on va vous entraîner sur l'histoire de l'Église, l'Inquisition, les croisades, et vous serez piégés. Christ est ressuscité. Qu'est-ce qui te fait vivre? C'est ça. Et tu te prépares pendant 40 jours à célébrer cette Pâque. Et puis, ces 40 jours t'entraînent à vivre 40 autres jours dont Saint-Luc nous a dit que pendant les 40 jours qui ont suivi la Pâque, Jésus a enseigné ses disciples. Ils étaient à peu près 500. Et il faut imaginer ce que ça pouvait représenter. Hein. Là, je m'inscris toujours dans la tradition syriaque parce qu'elle a de très belles choses à nous enseigner. Personnellement, je consonne complètement avec ça et c'est ce que je vous propose de recevoir depuis plusieurs jours, depuis plusieurs dimanches. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut imaginer que Jésus rassemble ses disciples. Ils sont plus de 500. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va réviser ce qu'on a appris par cœur. Pendant 3 ans, Jésus a fait apprendre par cœur les paraboles, les enseignements, les béatitudes, etc. à ses disciples. Pour que lorsque précisément, dans un premier temps, rappelez-vous, alors qu'il n'était pas encore mort et ressuscité, il les a déjà envoyés dans les villages. Pour annoncer quoi? Pour annoncer l'évangile. Il ne pouvait pas annoncer la résurrection, puisque Jésus n'était pas ressuscité, il n'était même pas mort. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils allaient de synagogue en synagogue, et dans les synagogues, ils répétaient l'enseignement de Jésus qu'ils avaient appris de lui. Ce n'était pas très difficile. Et à travers cet enseignement, ben, ils commentaient la Torah de Moïse. Voilà. Que fait Jésus pendant les 40 jours qui suivent la Pâque? Eh bien, il reprend l'enseignement et il les fait travailler par petits groupes de 6. Et il va de petit groupe à petit groupe pour voir si vraiment l'enseignement est bien passé. Et on se le répète, et on célèbre, et etc., etc. Et on chante, et on est vraiment dans une atmosphère de louange. Le Christ est parmi nous. Et donc, peu à peu, la parole s'ensemence. Mais il ne faut pas s'en tenir là. Rappelez-vous, dans un autre passage de l'évangile selon saint Jean, Jésus va dire « Il est bon pour vous que je me retire, que je m'en aille. Pourquoi ?» Eh bien, vous voyez, pour bien comprendre l'importance de cette parole, il faut en revenir à une expérience qui est la vôtre, qui est la mienne. Lorsque nous vivons le décès d'un proche, le décès de quelqu'un que nous aimons, vous voyez, tant qu'il est encore là, encore en vie, on est auprès de lui et quelque part on se projette sur « voilà, il est là, il est là, il est là, il est là ». Et puis, à un moment, le dernier souffle survient. Et qu'est-ce qui se passe dans le millionième de seconde qui suit? Je fais mémoire. C'est plus fort que nous, c'est anthropologique, ça c'est inscrit en nous. On fait mémoire. Et il y a tout un travail de mémoire qui va se mettre en place et qui va aboutir à des choses tout à fait étranges, par exemple, parce que le jour des funérailles, on va célébrer les obsèques, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver en famille. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter l'histoire de la famille. Pourquoi? Parce qu'en racontant et en faisant mémoire, justement, on tourne la page et on se prépare à vivre autre chose. Enfin, pas autre chose, mais à continuer l'œuvre qui a commencé. Mais il faut faire cet acte de mémoire. Cet acte de mémoire que nous prolongeons chaque dimanche. Vous voyez? Nous faisons mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. C'est juste essentiel, surtout dans un monde aujourd'hui où on ne raconte plus rien, où on nous maintient dans une espèce de présent éternel. On n'a plus de passé parce que l'histoire a été complètement balayée, on a révisé l'histoire. Donc si t'as pas d'histoire, t'as pas d'avenir. T'as pas de mémoire, t'as pas d'avenir. Donc rendons-nous compte, frères et sœurs, de la grâce qui nous est faite, hein, puisque nous pouvons nous appuyer sur la mémoire du Christ, sur la mémoire de ses enseignements, de telle sorte que nous pouvons affirmer que pour vous et moi, quel que soit le régime dans lequel nous vivons, quelle que soit l'idéologie libérale, capitaliste, ce que vous voulez, on sera toujours, vous et moi, libres, parce qu'on aura toujours un avenir qui sera ouvert. Ça c'est formidable, et on le doit à Jésus. Mais, pour cela, il faut que nous fassions mémoire. Et que fait le Christ? Eh bien, à un moment, il dit, il faut que je me
retire. Et c'est le moment de l'ascension, où il va vraiment se retirer. Et à partir du moment où il se retire, eh bien, les disciples font mémoire. Et ils deviennent capables ensuite de partir pour témoigner de ce qu'ils ont en eux. Quand vous vivez quelque chose de fort au niveau émotionnel, nous sommes ainsi faits, vous et moi, que nous avons besoin de le partager. Ce qui est porté par les émotions, c'est ce qui doit être partagé pour être ensuite géré. Vous voyez, souvent on dit il faut parler. Il ne faut pas simplement parler, il faut partager. Et pour ça, bien, on a besoin des frères et sœurs. Et c'est ce qui va se passer. Donc, Jésus prend ses disciples et où est-ce que ça va se passer? Et c'est là où il faut jouer avec l'Ancien Testament. Parce que ça va se passer sur le mont des Oliviers, nous dit Saint-Luc. On nous dit que Jésus monte, en fait, il ne faut pas imaginer, personne ne dit qu'il s'est envolé. Ouais, l'Évangile ne dit pas Jésus s'est envolé. Encore cette fameuse religion à plumes, vous savez, alors, on a les anges, on a l'Esprit Saint, puis on a Jésus qui s'envole dans le ciel après. Mais par pitié, mais abandonnons les plumes. Ouais. Revenons à ce que nous donne la Bible. Et la Bible... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais... Ouais, il paraît que je... Voilà. Je fais quelques gestes quand je parle. On est peu de choses. Merci, mon frère. Alors, donc, la Bible nous raconte quoi? Ben, à un moment, on nous parle de la nuée lumineuse qui quitte le temple et qui, avant de partir vers la diaspora juive, c'est-à-dire avec tout, de tous ceux qui sont dans le monde entier, du peuple de Dieu, cette nuée lumineuse se pose sur le mont des Oliviers et ensuite... se répand dans le monde. Eh bien, c'est déjà ça, c'est déjà cette histoire de l'Ancien Testament qu'il faut que nous mettions dans notre cœur pour comprendre ce qui se passe. Nous sommes sur le mont des Oliviers. Il y a la nuée lumineuse qui vient. Cette nuée lumineuse sur le mont des Oliviers joue aussi avec une autre montagne qui s'appelle l'Horeb. L'Horeb, le mont Sinaï, où, sur le sommet duquel repose la nuée lumineuse. La nuée lumineuse, ça représente ce monde de Dieu dans lequel on ne peut pas entrer si on est marqué par le péché. C'est pas compliqué, hein. Si vous êtes dans la convoitise, vous n'entrerez jamais au paradis. Tout ce qui est dans le paradis se reçoit, rien ne s'y prend. Donc autant s'exercer aujourd'hui à ne rien convoiter. Ce sera le meilleur moyen pour pouvoir entrer avec le Christ dans cette nuée lumineuse. Mourir, c'est entrer dans la nuée avec le Christ. Et là, il faut que nous nous appuyions sur la figure de Moïse. Car le peuple d'Israël a vu Moïse être enlevé dans la nuée, s'élever dans la nuée. Il suffisait qu'il monte à pied. Et là, vous voyez, la représentation la meilleure que vous puissiez avoir, je pense, et pour être crédible, c'est qu'au moment où Jésus finit son enseignement et qu'il dit « il est bon maintenant que je me retire », il se lève et il monte sur le sommet du mont des Oliviers. Et sur le sommet des monts des Oliviers, comme sur le Sinaï, il y a cette nuée. Et effectivement, il disparaît aux yeux des apôtres. Ça va? Vous voyez? Ça nous sort vraiment de ces espèces d'imagerie du 19e. C'est quand même dommage. Il y a d'ailleurs, je dis ça, et en même temps, il y a une très belle gravure du 18e siècle d'une Bible allemande qui représente ça. C'est absolument magnifique. Bien. Alors, maintenant, on va terminer par ça, mais... Il faut bien comprendre que cette trajectoire, frères et sœurs, elle nous touche, vous et moi. Car ce que représente l'icône ici, c'est que l'important n'est pas que Jésus monte, l'important c'est que Jésus soit descendu au plus bas, là où il y a la mort, là où il y a les ténèbres, pour y déposer la lumière de Dieu. Vous voyez? Et là, on nous représente sur l'icône des anges qui ligotent le démon, oui. Mais si vous voulez, Jésus est vraiment descendu dans la mort. Il y a déposé sa lumière. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? S'il remonte, s'il ressuscite, regardez, il prend les mains d'Adam et Ève et il les entraîne avec lui. C'est pour vous, c'est pour moi que cette ascension s'opère. Ouais. Et qui va faire que votre vie, comme la mienne, devient une vraie vie ascensionnelle. Chaque jour, nous devrions demander au Seigneur cette grâce de nous élever avec lui, que nous nous couchions le soir plus grandis que lorsque nous nous sommes levés le matin. La vraie vie spirituelle d'un chrétien se reconnaît à ce que, précisément, il cherche à se laisser saisir par Jésus ressuscité pour grandir. Mais pour que
cette opération puisse se faire, ça n'est pas magique, ça n'est pas extérieur. Nous avons, vous et moi, un travail à faire, car si vous avez bien entendu l'évangile, il n'est pas dit que Jésus ne promet pas que vous en faites pas, vous allez prier, vous allez faire des incantations comme les chamans, et puis les démons vont s'enfuir, etc. Non, non, non. Il dit, il faut aller jusqu'au bout de nos lectures, que parce que les disciples ont vraiment appris les paroles du Christ, donc ils étaient proches du Christ, donc ils étaient les amis du Christ, alors ils ont pu recevoir l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint, c'est... Alors j'en ai parlé dimanche dernier, mais c'était à 9h. Il faut que vous vous représentiez ceci. Quand... Ouais, c'est ça. Quand je passe du temps avec un ami, c'est différent que lorsque je passe du temps avec un frère, c'est différent que lorsque je passe du temps avec un camarade. On a besoin des trois. Quand je suis avec mon camarade, je me sens bien. On a besoin de camaraderie, surtout aujourd'hui. Quand je suis avec mon frère, je me sens fort. Quand je suis avec mon ami, je me sens meilleur. Et ça, il faut bien entrer dans ces distinctions-là. Parce que qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir meilleur ? Ce qui va faire que je vais me sentir meilleur, c'est que je vais sentir que je suis en communion d'esprit avec mon ami. Il y a de la part de mon ami une espèce d'irradiation de sa présence qui fait que lorsqu'il est au loin, il est toujours en moi. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Plus la parole du Christ sera dans les apôtres et sera en nous, et plus nous serons prêts à vivre cette communion d'esprit qui sera célébrée dans la Pentecôte. Mais pour cela, pour que la parole soit en nous, il faut que le Christ s'efface de nos regards pour nous obliger à rentrer. Et si vous le voulez bien, ce que je vous propose, c'est qu'avant de célébrer l'Eucharistie qui nous attache au Christ qui a offert sa vie pour nous, eh bien nous vivions nous-mêmes rituellement ce détachement. Il est prévu que le jour de l'Ascension, nous prenions le cierge pascal et nous l'éteignions. Amen.